Mon doctorat en anthropologie porte sur euh, les relations entre la migration et la technologie en Europe. Donc je m'intéresse particulièrement à la route des Balkans. Donc cette route euh, qui part plus ou moins de la Grèce pour euh, traverser euh, les Balkans pour arriver jusqu'en Europe euh, centrale en passant par l'Italie. Et du coup, je regarde surtout ce qui concerne les migrants, les réfugiés, les personnes en fait en exil euh, qui viennent d'Afghanistan. Et euh, je m'intéresse en fait à leur utilisation numérique, à leur connaissance du numérique et comment le numérique vraiment a un impact sur les trajectoires migratoires. Mon doctorat est également en anthropologie de la migration et porte sur la construction des frontières et comment les personnes migrantes vivent, naviguent, sont influencées et influencent ces frontières. Mon terrain est particulièrement enfin, se situe en Turquie et euh, où plusieurs différentes frontières nationales, continentales, linguistiques se chevauchent et s'intersectent et créer des subjectivités migrantes diverses et variées. Un terrain en anthropologie, il est vraiment construit et il est vraiment basé sur les questions de recherche avec lesquelles on part entre guillemets sur le terrain. Donc je dis partir sur le terrain parce que justement le terrain, il peut être multisitué donc à plusieurs lieux géographiques. Donc pour moi, c'est il y a une partie qui se passe en Suisse, une partie en Italie, une partie dans les Balkans. Donc j'essaie vraiment de suivre cette trajectoire migratoire. Et donc je suis partie avec cette question de recherche, euh, c'était de voir euh, quel est l'impact euh, des médias sur la migration et quel est l'impact de la migration sur les médias. Donc plus spécifiquement en fait vraiment le rôle du smartphone, mais pas seulement euh, comment est-ce que par exemple la technologie euh, supposément euh, irait révolutionner la migration, mais voir aussi comment les personnes migrantes se réapproprient certaines technologies et euh, voilà, donnent des nouvelles significations à des technologies qui serviraient à autre chose par exemple. Et ça, c'est parti aussi d'un constat que j'ai fait euh, dans les médias. Donc, la manière dont la migration, elle est souvent euh, euh, représentée, c'est que la technologie, elle est soit présentée comme une solution à cette supposée crise migratoire. Ah, donc, les personnes, maintenant, ont accès à tellement d'informations, euh, ils ont accès à tous leurs euh, leur droits, ils peuvent savoir où est-ce qu'ils ont quels droits, et ils ont leur GPS, ils peuvent avancer. Et d'un autre côté, il y a une partie de la littérature euh, qui représente la technologie dans la migration comme euh, vraiment un fléau. Donc euh, maintenant, à cause de la technologie, euh, les personnes migrantes sont détectées par des drones ou par, euh, par des technologies cachées dans les, dans les forêts, et puis leurs données peuvent être volées et être utilisées contre elles. Il y, a, il y a toute cette question aussi des, des supposés trafiquants qui vont être là pour, pour les traquer, voilà. Et du coup, moi, je suis partie donc sur le terrain pour, pour aller un peu plus loin, en fait, et voir vraiment concrètement qu'est-ce qui se passe autour de ces technologies du numérique. Et ce que j'ai vu, c'est j'ai vu beaucoup de choses différentes en fait suivant les terrains justement où je suis allée et là je suis vraiment au plein dedans donc euh, j'ai pas encore de conclusion et je sais pas si j'en aurai une un jour mais je vois vraiment les différentes facettes peut-être euh, dans une approche un peu soufie euh, voilà je vois les, différentes, euh, les différents morceaux du miroir j'essaie de les recoller et à un moment donné j'aurai peut-être une image euh, qui s'approche de quelque chose qui peut être un peu vrai mais ce sera toujours fragmentaire mais en tout cas ce que j'ai vu aussi c'est que c'était très important de mener mon terrain en ligne aussi. Donc là, c'est vraiment euh, lié à un terrain multisitué, à un terrain euh, multimédia. Donc ça veut dire euh, passer du temps aussi sur des groupes, euh, voir les débats qui se passent en ligne, en fait, euh, voir euh, qu'est-ce qui est échangé en ligne, quelle information. Et puis, euh, voilà, comment les personnes aussi interprètent ce qu'elles voient en ligne. Donc ça, c'est vraiment important pour moi que mon terrain soit en ligne et hors ligne. Parce que longtemps, l'intérêt qui a été porté sur les communautés en ligne, elle, elle se cantonnait justement à, à l'Internet. Mais en fait, justement, l'approche ethnographique qui se base aussi sur la participation observante et puis les pratiques. Alors pour moi, ça, ça veut dire que je dois vraiment, pour comprendre ce que je vois en ligne, c'est vraiment passer par l'interprétation d'un de, de mes interlocuteurs ou interlocutrices. Et les Afghans euh, avec qui euh, voilà, je, je mène ma recherche, les Afghans, en fait, c'est aussi, en fait, c'est plus large. C'est les personnes qui parlent farsi, persanophone, euh, mettent beaucoup là-dedans, donc pour euh, juste simplement me, me montrer en fait quels groupes sont son existent. Donc c'est ça aussi, c'est que à chaque fois, je, je dépends beaucoup d'être euh, introduite à certains groupes et pour voir en fait ce qui se passe, voilà, en ligne. Et ce que j'ai vu aussi sur mes terrains, c'est vraiment l'importance du smartphone en tant qu'objet matériel. Et là, pour comprendre vraiment cet objet, je pense que jusqu'à maintenant, c est, c est même la préconclusion, voilà. Euh, à laquelle je suis arrivée, c'est qu'on peut seulement comprendre cet objet dans cette, euh, en tout cas en, dans les Balkans, dans un contexte de violence. Donc il y a extrêmement beaucoup de violence qui se passe aux frontières. Les gens, euh, souvent, euh, voilà, se font euh, se font arrêter à la frontière. Le, le, ça arrive que le droit d'asile ne soit pas respecté et le smartphone, comme les habits et l'argent, peut être volé, détruit pour stopper en fait les personnes. Et donc il y a tout un contexte autour de ces smartphones à la frontière en fait. Euh, où le smartphone, en fait, il a une valeur très chère, donc dans le sens une valeur euh, inestimable, parce que parce que dans un budget c'est lourd, donc c'est peut-être jusqu'à 200 à 150 euros pour avoir un nouveau smartphone, et puis ça permet de, voilà d'être mobile, d'avoir accès à l'information. Donc voilà, euh, mon terrain euh, jusqu'à présent, il m'a montré toutes ces facettes, et je continue d'avancer. Je ne sais pas encore euh, mes conclusions, mais voilà. <laughs> en tout cas, c'est c'est aussi à chaque fois une surprise, donc quand j'arrive sur mon terrain, j'ai aussi des nouvelles questions de recherche qui émergent. C'est jamais fini, donc je ne sais pas encore où, jusqu'où je vais aller. Donc là, je suis en fait en train de remonter, remonter quelque part la route migratoire. Donc j'ai commencé en Suisse, après Italie et maintenant les Balkans et peut-être jusqu'en Grèce, pour vraiment comprendre toute la complexité en fait de ce phénomène qui dépasse largement la technologie comme solution ou comme fléau. Moi, je m'intéresse particulièrement au rôle des frontières dans la construction de, euh, dans le vécu de, de, de personnes migrantes. Et aussi, euh, en tant que le rôle que ça a dans le procédé de prendre des décisions. Euh, il y a souvent cette idée euh, très euh, débattue au sujet du fait que euh, la migration, quelque part, c'est le manque de choix. On part, on est obligé de partir, et ce terme de obligé, c est, c est, il est très complexe. Évidemment, c'est pas des choix libres qu'on fait, mais euh, des anthropologues comme par exemple Alessandro Montsuti parle énormément du fait que c'est justement dans ces moments de grandes contraintes qu'on prend des décisions qui sont particulièrement importantes. Et, euh, et, et en fait, il faut, faut faire très attention justement à ce, à ce moment de, de décision la migration est souvent imaginée comme, comme un trajet unidirectionnel d'un endroit à un autre endroit très réfléchi très pensé et délibéré alors qu'en fait il euh, y a beaucoup de, beaucoup de questionnements qui, qui, qui se font seulement dans les moments où tu rencontres euh, une nouvelle réalité en chemin pour là où tu projetais euh, euh, d'aller et euh, qui peut être changeront complètement la donne et c'est ça c'est ça qui m'a fait m'intéresser énormément à la turquie qui est en fait un pays qui défie un petit peu ce, ce binaire entre pays de transition euh, versus pays de, de destination. Et euh, le terrain en Turquie me montre qu'en en fait, il y, euh, y a beaucoup de différents éléments qui, 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 qui mènent à, 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 au fait que certaines personnes restent, d'autres personnes partent. Et certaines personnes, personnes restent pour un moment et se projettent même pas vraiment ou ne projettent pas nécessairement une finalité à leur temps qui vont passer là. Donc, ça complexifie un peu cette image qu'on s'imagine être très euh, noire ou blanche. Euh, et les frontières ont un rôle énorme là-dedans. Euh, parce que les frontières, ce n'est pas juste une ligne euh, qu'on qu trace au sol euh, qui, est certes, tout le monde sait qu'elle est imaginée parce qu'on ne la voit pas avec nos propres yeux, mais qui a quand même une matérialité et une réalité énorme dans le conçu, dans comment on, on l'imagine. Et en fait, c'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a d'ailleurs la théorie critique sur les, sur les frontières de nos jours parle énormément de régimes de frontières, c'est-à-dire la frontière qui n'est plus juste une ligne, mais qui est quelque part euh, reproduite et créée à travers des institutions, euh, des, des bureaux officiels, des, 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 la police, les rencontres avec la police. des... Et, et, et toute la paperasse qui vient autour aussi. Et en fait, la frontière, c'est plus juste une ligne quelque part qui délimite deux territoires, mais vraiment une, 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 un, un, un phénomène, un régime qui s'étend sur toute l'entièreté du territoire. Et en Turquie, il y a euh, beaucoup de différentes frontières, comme je disais tout à l'heure, qui s'intersectent se, qui se, qui et qui se superposent quelque part. Euh, des frontières nat nationales, des frontières euh, continentales, l'extériorisation des frontières de l'Union européenne à travers des, euh, des contrats, euh, à travers des, des arrangements bilatéraux euh, avec l'Union européenne, et aussi des très vieilles lois euh, des années 30 euh, qui, qui décident de qui a le droit d'avoir un permis de résidence et qui n'a pas le droit d'avoir un permis de résidence. Et c'est particulièrement ces lois-là, mais d'autres aussi, qui vraiment créent des lignes euh, toutes neuves euh, qui... Euh, en, entre personnes afghanes qui se peut-être s'imaginaient pas différentes sur ce plan-là et qui, en face à, à un nouveau régime de frontières, se voient séparées par les lois. Certaines personnes afghanes qui ont grandi ensemble, euh, ou même d'une même famille, euh, si leurs papiers sont légèrement différents, se retrouvent affectées par des lois de manière complètement différente. Et évidemment, ce n'est pas quelque chose de laquelle tu es purement victime. Euh, alors il y a une dynamique de pouvoir très très forte, tu n'es pas, pas à pied égal. Mais euh, il mais, euh, y a, comme je disais tout à l'heure au sujet des choix, il y a des choix extrêmement importants qui sont faits à ces moments-là. Et c'est ces choix euh, en dialogue et en rapport avec les frontières qui m'intéressent particulièrement. Le travail de terrain, c'est notre outil principal de recherche en anthropologie. C'est une euh, période relativement longue euh, passée dans un certain terrain, en discussion, interaction profonde avec... Euh, avec euh, tout, enfin, idéalement, tous les acteurs, toutes les actrices dans, cette, dans cet environnement-là, pour ensuite avoir une connaissance approfondie sur les dynamiques dans un certain terrain, ou, ou alors dans, dans plusieurs terrains, en migration par exemple. Oui, ouais, totalement. C'est vrai que cette, cette idée du terrain, elle a petit à petit été déconstruite en anthropologie. Du coup, on peut se retrouver à être sur plusieurs lieux physiques, mais en fait, pour toujours chercher à répondre aux mêmes questions. Mm -hmm. Suivre des trajectoires plutôt que, euh, plutôt que des lieux, par exemple. Ouais. 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 Et c'est vraiment une, euh, je trouve une méthodologie qui nous, qui nous distingue, enfin qui distingue l'anthropologie peut-être d'autres sciences sociales, parce que c'est très qualitatif. Mm -hmm. Donc ça va très profondément, peut-être sur euh, certaines biographies ou certains aspects. Euh, donc ça se situe à l'opposé, on va dire, de peut-être des questionnaires ou bien des méthodes qui débouchent sur des statistiques. Ouais, c'est moins généralisable, mais euh, ça va plus en profondeur. Ouais, et se traduit énormément par l'écriture ensuite, euh, oui. de, de l'écriture de ce qu'on a observé, ce qu'on a vécu, euh, et puis beaucoup sur l'interhumain, enfin les, les interactions entre toi et l'autre personne, c'est quelque part un moment où, euh, où, où l'échange est vraiment le plus important. Oui. Pour difficile, on s'imagine souvent des terrains très distants, des endroits, euh, par exemple des pays en guerre, euh, l'Afghanistan ou d'autres endroits. Euh, et euh, je pense que ça, c'est tout à fait un terrain difficile. Il euh, y a toutes les questions d'avoir accès à ces endroits-là, euh, avoir des visas, avoir l'autorisation même des instituts de recherche, des choses comme ça. Après, je pense qu'il y a difficile à beaucoup d'autres niveaux. Il y a des terrains, euh, je pense, euh, bah, émotionnellement très difficiles, euh, des terrains, des, des, des recherches qui vraiment te mettent face à face avec, une, euh, avec des réalités extrêmement difficiles à, à vivre, et aussi, euh, et aussi, je pense, moralement difficiles, parce qu'en anthropologie, on se retrouve souvent quand même avec un, un, un déséquilibre quelque part de pouvoir, on a le pouvoir de la représentation. Euh, c'est nous qui allons finir par représenter euh, euh, ce qu'on a vécu. C'est pas les autres personnes qui écrivent. Euh, ça c'est déjà une, une, euh, une espèce de, de un déséquilibre. Et aussi euh, en anthropologie, c'est aussi, enfin, euh, nous on a cette, cette, cette euh, liberté de la mobilité. On arrive dans des terrains, par exemple, typiquement dans nos travaux qui sont au sujet de la migration, avec des personnes qui peinent énormément à traverser certaines frontières, à traverser euh, certains pays pour arriver là où ils, ils espèrent arriver. Et, et nous, on, on arrive là en l'espace d'un de, de, jour ou deux euh, avec, euh, avec nos, nos calpins. Et puis, euh, c'est, je pense qu'en migration, particulièrement, ce déséquilibre entre les positions de pouvoir est le plus visible. Euh, et je pense que ça, ça peut être très difficile aussi, après, aussi, à, à, à traduire ça dans nos conclusions, dans euh, ce qu'on en fait de, 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 ces, de toutes ces trouvailles. Oui. Oui, c'est vrai que quand on dit un terrain difficile, il faut se rappeler difficile pour qui En fait, c'est déjà une situation politique qui pousse certaines personnes à quitter leur pays euh, contre leur gré. Donc, euh, souvent, il y a un traumatisme, en fait, à la base, <coughs> qui, est, qui, est, qui est difficile. Donc, euh, en fait, qui s'explique par, par des... Voilà, on est amené dans des terrains à rencontrer des personnes qui ont vraiment un passé difficile. Et puis, finalement, au cœur de l'ethnographie, en tout cas, dans mon approche, c'est vraiment aussi de créer. Euh, de, enfin, j'ai un sentiment d'empathie. En fait, je trouve que même dans ces terrains difficiles où il y a ces questions politiques, en fait, vraiment euh, très, 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 très vivantes, c'est qu'on construit aussi des, des jolies relations. Enfin, on a des moments comme ça de, de partage. Et moi, je suis toujours extrêmement euh, reconnaissante de la confiance que certaines personnes peuvent me faire, ou en tout cas de de l'acceptation qu'elles ont à me partager leur, leur histoire leur vécu et puis ça ça aide aussi peut-être à voilà je sais ouais. pas à, à gérer ce genre de, de situation ouais ouais je pense que le grand moment de questionnement c'est aussi quand on finit le terrain et quand on rentre chez soi et on, on est là avec tout, ces, tout ce matériel et tous ces entretiens, toutes ces émotions qui sont aussi extrêmement importantes dans l'anthropologie que nous on fait, parce que c'est pas une question de, de manquer ou garder de la neutralité, c'est une question de vraiment représenter ce qu'on a vécu euh, à plein de niveaux différents et, euh, et qu'est-ce qu'on en fait de ces, de, 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 de justement de, de ces relations interpersonnelles. Euh, je pense que c'est ça qui peut rendre un terrain très difficile aussi. Oui. Ouais. oui, exactement. Et comme tu disais, cette question de la représentation, donc... Euh... Voilà, d'être à la hauteur quelque part, ou bien de rendre justice en fait aux récits qu'on a récoltés, et euh, aussi à la dignité de ces personnes euh, qui ont bien voulu nous raconter une portion de leur vie. Surtout sachant que c'est des personnes avec qui, en tout cas, on essaye de, enfin, moi j'essaye vraiment de, voilà, de garder le contact. qu'on en a parlé toi aussi de, sur le long terme. Donc c'est des relations qu'on veut soigner, qu'on veut garder. Euh, pour le travail académique, c'est même mieux. Donc finalement, je trouve que nous, on restitue, enfin on essaye de restituer autant aussi bien qu'on peut. Ces diverses, ces diverses histoires. Donc, c'est vraiment, en fait, quelque part, pour moi, un travail collectif. Ouais. 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 Mais je pense que la difficulté aussi particulièrement, enfin, elle est enracinée vraiment dans la position de, de, de l'anthropologue, parce que, enfin, euh, l'ethnographe, l'anthropologue dans sa dans, position d'ethnographe, euh, qui est vraiment de. On n'est plus une personne comme on l'imaginait dans le, les débuts de l'anthropologie, Malinowski, qui quelque part disparaîtra du fond, euh, di disparaîtra de, 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 du livre, en fait, et, pr et présentera une, une vérité euh, neutre et puis, euh, puis intemporelle, quelque part. Et en fait, euh, en fait on est totalement enraciné dans ce contexte de, de relation, au point que le au point que la, la, as, le, le rôle que tu prends dans cette rencontre avec une personne n'est plus juste d'ethnographe, mais quelque part aussi de, euh, de personne confiante à qui on confie une certaine information, je ne sais pas, de, de, de tes expériences, de ton vécu, mais euh, souvent on se retrouve approché par des personnes, surtout en anthropologie de migration dans des lieux comme euh, euh, l'Esbos ou Calais, où, où, où j'ai fait un peu de, de, de travail ethnographique, euh, par des personnes qui, qui t'approchent et qui sentent pratiquement le, le besoin. De, ou en, fin, un désir profond de partager avec toi cette, euh, cette, cette histoire. Et on n'est pas exactement sûr comment ils te voient. Alors, bien sûr, tu présentes ta, ton rôle, tu parles de ton travail, de ton, ta perspective, de, de, de ton rôle d'anthropologue, de, ton, de ton, ton, ta thèse, ou, ou du livre, ou du projet de recherche duquel tu, auquel tu travailles. Mais au final, euh, quelque part, parfois, on se, on a, les personnes t'approchent aussi en tant que moyen de partager une histoire. Et je pense que c'est une responsabilité énorme au final. Oui. Euh, oui, et ça fait. peut rendre un terrain difficile, je trouve. Oui. Surtout dans un contexte extrêmement politique et quelque part politisant aussi. Et euh, je pense que l'anthropologie, le, 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 le terrain est souvent un terrain très politisant, justement parce qu'on parlait de ces, ces, ces dynamiques de pouvoir extrêmes. Dans, en, en anthropologie migration on finit pas juste par parler avec des personnes migrantes. On parle aussi ouais. avec euh, beaucoup de personnes qui justement créent ces lois, euh, des personnes euh, juristes ou dans le gouvernement ou des forces de l'ordre. Et, euh, et en fait, on est de nouveau face à face avec à des, à des, à des, 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 des pouvoirs très très, euh, enfin, des, des forces euh, très inégales. Et ça peut être aussi très difficile d'écouter des récits avec lesquels on est quelque part profondément pas d'accord. <laughs> Et apprendre la langue, ça a un rôle central en anthropologie. Déjà depuis des décennies, ça a été, enfin, il y a eu beaucoup d'emphase mise là-dessus, que vraiment, c'est vraiment peut-être pas la seule, mais vraiment le moyen de faire son terrain, c'est d'apprendre la langue vernaculaire dans laquelle parlent les personnes avec lesquelles on compte parler. Ça a une importance énorme. Euh, après, euh, je pense que c'est plus que juste la langue au niveau de la compréhension, mais c'est aussi tout, tout l'imaginaire qui éveille une langue. Euh, tout le ressenti, aussi le côté affectif de la langue. Euh, très concrètement, pour le persan, par exemple, euh, le persan est une langue qui est parlée en Afghanistan, en Iran et au Tadjikistan, avec une différence euh, d'accent euh, qui est. C'est des langues mutuellement euh, intelligibles, mutuellement compréhensibles, le, le persan iranien ou le persan afghan, par exemple. Mais, euh, quelque part, personnellement, dans mon expérience, j'avais commencé par apprendre le persan iranien. Euh, avec un prof pendant quelques mois. Et ensuite, j'avais été un peu propulsé dans le terrain et j'avais fait des interviews avec, euh, avec des personnes afghanes dont beaucoup avaient grandi ou vécu pendant longtemps en Iran, avec souvent des expériences très, très difficiles parce qu'il y a un, un racisme euh, systématique et, et, et institutionnel contre les Afghans en Iran. Et pour autant que des personnes ont des vécus très, très différents, euh, je pense que ça a quelque part... Euh, euh, ça a quelque part euh, influencé aussi les, 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 les paroles des personnes et, et aussi le rapport de confiance. Euh, les personnes étaient très généreuses et iranisaient un petit peu leur accent euh, <laughs> pour, pour ma compréhension à moi. Mais après, euh, dans les années qui ont suivi, j'ai vraiment euh, appris le persan afghan et je pense que ça ouvre une certaine porte qu'on que n'aurait pas cru. Euh, parce qu'on se dirait que c'est deux langues extrêmement similaires et on se comprend. C'est aussi quelque chose que j'ai pu observer quand, euh, quand j'observais par exemple les tribunaux euh, où l'asile était, enfin le, le droit d'asile était, euh, était jugé, euh, où il y avait la tendance de amener des, des traducteurs, traductrices euh, iraniens ou iraniennes pour des personnes afghanes euh, qui posent pour certaines personnes vraiment un problème, de, un problème, de rapport de confiance. Donc je pense que la langue n'est pas juste une question de, de, de compréhension vraiment. Euh, de, de mots, mais aussi vraiment une question de, de sensibilité. le fait d'apprendre une langue euh, pour une personne euh, euh, qui n'a pas l'air visiblement afghane, euh, peu importe ce que ça veut dire, mais euh, je pense que ça veut aussi dire énormément dans le terrain euh, pour des personnes, ça, ça, ça prouve aussi une espèce de, de, de attention portée à, euh, à un vécu et à un, à un savoir. c'est aussi prendre au sérieux un certain savoir. La langue, en effet, c'est un angle très intéressant pour euh, commencer en fait, à, à faire sa recherche sur un phénomène migratoire, parce que ça nous permet, je trouve, d'aller au-delà de la nationalité. Donc finalement, quelque chose qui est reconnu comme étant en fait, un problème souvent dans les études de la migration, c'est qu'on se cantonne à, des, à des, des termes tels que migrants, réfugiés. Euh, déjà, ces deux termes, il faut les complexifier, il faut voir que c'est quand même un registre étatique. Donc d'imaginer que les migrants sont des personnes qui viennent pour des raisons économiques, alors que les réfugiés viendraient pour des questions politiques et en fait quelque part euh, serait, euh, mériterait plus la protection que des personnes qui viennent parce qu'elles n'ont plus assez de ressources pour, voilà, pour avoir accès à de la nourriture. En fait, je dis ça pour dire aussi que la nationalité aussi c'est quelque chose qui, qui cantonne en fait notre compréhension du phénomène migratoire. Et c'est pour ça que la langue, d'après moi en fait, nous permet vraiment d'aller plus loin. Et de reconnaître aussi, en fait, euh, donc euh, c'est comme dans les travaux de Jean-François Bayard, vraiment euh, les empires qui étaient là avant euh, les États-Nations. Donc, vraiment, c est, c est, cette transition des empires aux États-Nations qui fait qu'en euh, en Afghanistan, en fait, il y a une multitude de langues, tout, tout comme en, tout, au Tadjikistan et en Iran. Et euh, donc, en Afghanistan, il y, y, y a les deux langues nationales qui sont le Dari et le Pashto. Mais il y en a beaucoup d'autres, il enfin, y a aussi le Ouzbek. Euh, moi, je, je parle le farsi et mes parents sont d'origine iranienne. Et du coup, euh, pour moi, ça a toujours été une manière d'entrer de, en contact avec euh, ben, les personnes qui parlent farsi, mais du coup, de, entre guillemets, de groupes euh, ethniques ou de groupes religieux, ou de, comment, je ne sais pas comment les qualifier, mais de groupes pour aller au-delà en fait, du carcan national, de groupes qui viennent d'expériences de, très différentes de leur vécu, mais qui parlent le farsi. Donc, euh, donc, en Iran, il y a aussi les balouches, les kurdes, en tout cas, que moi j'ai rencontrés. Et donc, pour moi, le Farsi, en fait, c'est devenu une manière d'être plus englobante, en fait. Donc, euh, c'est vrai que je suis partie avec l'idée de travailler sur la migration des Afghans. mais c'est vrai que sur mon terrain, par exemple, surtout en Bosnie ou bien dans mes pré-terrains même en Grèce ou bien au nord de la France, à Dunkerque, euh, c'était super intéressant vraiment parce que le, le Farsi était une sorte de lingua franca euh, pour discuter avec des gens qui avaient des vécus, enfin, qui venaient de pays très différents. Donc par exemple, en Bosnie, c'était en fait la première fois que j'ai rencontré quelqu'un euh, du Baloutchistan iranien, donc on a eu des, des discussions très intéressantes. Euh, bien de, il y avait des Iraniens kurdes, il y avait euh, bien sûr euh, mes interlocuteurs et, et interlocutrices principales étaient des, des personnes d'Afghanistan, mais en fait là aussi c'est très compliqué, c'est comme tu en as parlé tout à l'heure, il y a des personnes même, euh, peut-être, je ne sais pas, euh, je ne veux pas donner de, de gros pourcentage, mais je dirais bien au moins 40-50% des personnes que je rencontre ont vécu, des personnes d'Afghanistan ont vécu en Iran. Donc, euh, et en fait, l'accent devient presque plus important, ou leur manière de parler farsi, c'est tellement plus important, ça dit tellement plus qu'en en fait le passeport qu'ils ont. Et puis aussi, en fait, au niveau de l'ethnographie, donc moi qui m'intéresse par exemple au numérique, il y a aussi quels mots sont utilisés pour dire euh, quel, euh, quel phénomène donc, il y a le, le mot très connu du game, donc ça, ça veut dire traverser la frontière. Ça, c'est un game's Adan", donc euh, voilà, traverser une frontière, ça, c'est un mot euh, vernaculaire pour qualifier en fait le phénomène migratoire, de traverser une frontière euh, dans les Balkans et puis voilà, au-delà. Euh, mais après, c'est vraiment intéressant pour moi que c'est un mot euh, anglais qui est qui introduit vraiment dans, dans le farsi. Puis après, tu peux, euh, tu as des, une sorte de lexique, enfin, il y a tout un champ autour de ce mot. Donc, en fait, pour vraiment comprendre l'expérience migratoire de, de certaines personnes, moi, ça m'a vraiment aidé d'aller plus a, approfondir vraiment les mots qui sont utilisés et les mots dans différentes langues. Et tout l'imaginaire justement de la migration que ça crée. dans le, la couverture médiatique de l'Afghanistan, c'est la manière dont souvent elle est un peu détachée de, euh, du, phénomène, du phénomène migratoire. Donc euh, moi, ce que je connais le mieux, c'est le phénomène migratoire euh, des Afghans, leur trajectoire vers l'Europe. Et là-dedans, il y a aussi un peu de, de fatalisme aussi quand on lit sur l'Afghanistan. Que ce serait un pays qui serait ancestralement en guerre, continuellement en conflit, et que donc aussi euh, les personnes migrantes... Euh, qui sont, voilà, qui, qui fuient ce conflit, ce conflit, il y en aura toujours. Et puis, il y a un peu un sentiment, euh, on se dit, d'impuissance. Un peu un côté où on se dit, ces personnes vulnérables, elles sont passives à ce destin et elles sont, voilà, elles sont là-dedans et elles vont toujours être sur les routes. Et je trouve que, um, il y a un manque de, voilà, d'informations dans les médias sur, en fait, le reste du processus d'asile. Aussi, le fait que, pourquoi est-ce que les personnes qui fuient l'Afghanistan n'ont pas des voies légales pour arriver dans un pays sûr? Et en fait, il existe des voies légales, mais elles sont de plus en plus bouchées. Donc, même moi, le contexte que je connais peut-être mieux, c'est donc la Suisse, qui, euh, qui a ce système de visa humanitaire. Euh, donc, c'est une voie vraiment légale pour envoyer un visa pour des personnes qui doivent fuir un conflit, pour qu'elles puissent venir en sécurité jusqu'en Suisse. Et en fait, c'est un processus qui, qui fonctionne euh, apparemment pas si bien parce que, il y a quelque chose, je ne vais pas dire de, de faux chiffres, mais il y a quelque chose comme plus de 7000 demandes qui ont été déposées en 2022, euh, pardon, 2021, et euh, il y en a moins de 10 qui ont été acceptées. En tout cas, je ne vais pas dire des chiffres qui sont faux, mais en tout cas, c'est de cet ordre-là pour montrer à quel point les voies légales pour euh, sortir de l'Afghanistan euh, sont bouchées. Et puis, euh, en fait, c'est pour ça, juste pour dire qu'il que y a souvent un sentiment d'impuissance quand on parle d'Afghanistan, de, de la crise, entre guillemets, crise afghane, la crise des migrants. Et justement, simplement parler de crise, ça dit ah, à quel point c'est un moment exceptionnel. Et ça détourne l'attention de tout ce qu'on pourrait faire, en fait, dans nos, dans nos démocraties, dans, dans, le libéral, dans nos libérales, dans nos pays, je sais pas. Voilà, ici, où on lit l'information, euh, pour, et je veux pas parler d'aide, en fait, je veux parler de comment euh, avoir un impact sur, sur cette situation. Euh, <coughs> Donc euh, comment euh, améliorer les voies d'accès en fait, à l'asile? Et là, je comprends qu'il y a une difficulté, c'est que c'est souvent des processus bureaucratiques qui sont extrêmement lents et qui sont froids et qui sont bossés de la paperasse et c'est peut-être moins euh, sensationnaliste. Et, mais pour moi d'après moi, ce c'est pas une raison qui devrait expliquer le fait qu'on n'en parle pas et qu'on connaît très peu en fait les voies légales d'accès à l'asile. Je pense qu'à la suite de, de, du, des événements du 15 août, de la prise du pouvoir des talibans, il y a eu une résurgence énorme d'intérêt dans, euh, dans la question afghane et de la question des migrations afghanes. Et je pense que c'est quelque chose qui a attiré énormément d'intérêt qui s'est ensuite très rapidement dissipé. Mais ça, c'est pas unique à l'Afghanistan, je pense. Euh, mais sauf certains euh, rares, euh, certains rares médias, il n'y a pas une, une couverture un peu constante du progrès. Donc, je pense qu'on a, on a du mal à, à, à comprendre un peu le, la banalité quelque part du, du, du quotidien euh, et, et de la vie en Afghanistan euh, à travers ces espèces de, de snapshots un petit peu qu'on a. Euh, mmh. Après, je pense aussi que la, la mh, couverture de, de la question afghane dans les médias est un peu prise dans une espèce de paradoxe, euh, qui est un peu un paradoxe de la crise. Il y a à la fois cette perspective que l'Afghanistan est un pays en feu, constamment en feu. Euh, il y a la, le feu à la maison, euh, on, tout, rien ne va, et de telle sorte que ce qui n'est pas forcément faux, hein, mais de telle sorte que euh, il n'y a pas vraiment place pour un quotidien, pour la représentation d'un quotidien, un quotidien dans la crise, si on veut. C'est une crise constante euh, qui, qui, qui ne peut être que représentée par justement ces moments euh, ultra dramatiques et pas euh, le quotidien ou comment le quotidien est influencé par justement cette crise. Et puis d'un autre côté, euh, le, le revers de l'autre côté, il y a le, du paradoxe, c'est que euh, j'ai l'impression que euh, euh, les, quand il y a un attentat ou quand il y a un moment de, de crise extrême, si on veut, s'est euh, placé dans la banalité de la crise. Donc il y a un peu cette, cette euh, une difficulté de représenter, je pense une, une, une vie qui pourrait être une vie qui pourrait être à la fois quotidienne, mais aussi ponctuée par des événements qui choquent énormément. Euh, C'est pas comme si les attentats ne choquaient pas. Et quelque part, je pense qu'en s'habituant à ces récits de, 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 de crise constante, eh ben, on n'est on, on juste pas étonné du tout qu'il y ait eu de nouveau un attentat, un attentat dans un, un mariage, une mosquée ou, ou, ou autre. Euh, donc, je pense que, il euh, y a un peu un problème de représentation, je pense, d'un quotidien, euh, mais d'un quotidien très dramatique, si on veut. Ouais. Je pense qu'en termes de couverture médiatique de l'Afghanistan, il y a un élément qui est, ou un, un événement qui est extrêmement parlant aussi, c'était. Euh, c'est tout ce qui est en rapport avec, euh, avec ces drones, et particulièrement l'incident du, du 29 août 2021, avec cette attaque de drones à Kaboul. Parce que, euh, que pendant des années, on avait eu, euh, surtout euh, sous les sous, le, sous le, les politiques d'Obama, il y avait eu un accroissement énorme d'utilisation de drones en tant qu'armes de guerre, euh, particulièrement dans les campagnes en Afghanistan. Alors, du nouveau, on est sur cette question de clivage, et d'éviter les clivages, les dichotomies comme ça, d'un côté la, la campagne et de l'autre côté les villes, parce que des gens comme Olivier Roy, par exemple, nous rappellent que justement la guerre a chamboulé complètement ça, il y a des gens qui sont retournés dans les campagnes, des gens qui ont... Voilà, euh, ou qui ont qui, qui, une, une émigration euh, urbaine énorme. Euh, mais en même temps, euh, dans la couverture médiatique, il y a eu beaucoup, beaucoup plus d'attention sur les villes euh, que sur les campagnes, et euh, ces attaques de drones pendant des... Euh, pendant toutes ces années, été, euh, été, enfin euh, c'était, c'était dans les campagnes qu'elles avaient eu lieu, euh, en tuant beaucoup de euh, personnes qui ensuite avaient été présentées comme des, des, des chefs, euh, des commandants talibans, des commandants Daesh. et euh, des journalistes euh, comme Imran Farouz, euh, euh, afghano-autrichien, euh, nous rappellent que en fait, c est, c est, que toutes ces personnes sont maintenant dans le gouvernement en Afghanistan. Euh, donc ça pose la question de qui a été tué à la place de ces personnes- là puisqu'il y a eu des victimes humaines. Euh, donc ça, la couverture journalistique avait été très médiatique, avait été très difficile dans ces, dans, dans, dans ces campagnes et donc n'avait pas vraiment porté beaucoup d'attention aux effets de ces attaques euh, de, de drones sur la population, euh, une population qui, qui, qui au quotidien euh, euh, au quotidien euh, euh, devait, avait peur des attaques du ciel quoi. Et, euh, et l'incident du 29 août euh, 2021 est super intéressant parce que c'est la première fois où, quelques jours après la prise du pouvoir par les talibans euh, en Afghanistan, il y a une attaque de drone de nouveau par, des, euh, par les forces américaines qui tue quelqu'un qui, dans les premières instances, est supposé être aussi de nouveau quelqu'un, un, un commandant euh, Daesh, il me semble. Et en fait, très rapidement, on a découvert que c'était une personne euh, qui, d'ailleurs, lui-même avait travaillé dans des euh, ONG occidentales. Euh, qui essayait de fuir, qui essayait de fuir avec sa famille, et ça avait provoqué un choc énorme. Et je pense que cet incident est très intéressant. Au sujet, enfin, parle beaucoup de, la, de, de justement de ce de, de, de ce clivage et d'un regard biaisé aussi sur 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 l'Afghanistan. Euh, peut-être par difficulté justement géographique, topographique, d'avoir accès à certains lieux, mais aussi peut-être par par intérêt quelque part, par par intérêt biaisé. Oui. Et puis, euh, comme tu dis, ces, ces restrictions. Quand on pense par exemple aux efforts d'évacuation qui ont été faits jusqu'au 15 août enfin autour du 15 août, il y avait une grande attention médiatique autour de l'aéroport et en fait c'est vrai qu'il y avait aussi une manière peut-être de présenter ah, les efforts en fait faits par les pays occidentaux pour, pour évacuer la population afghane. Et il y avait peu d'attention qui était faite sur peut-être déjà un, les les moyens que les afghans ont trouvés eux-mêmes pour voilà pour s'en sortir, pour trouver des solutions, notamment par exemple par hein, le passage autour des frontières donc il y a aussi euh, peut-être moins d'accès autour des frontières, mais on a eu peu d'informations sur euh, ce qui se passait euh, dans les pays en fait qui sont normalement les premiers pays d'asile. Donc euh, l'Iran, l'Iran euh, et le Pakistan, c'est les pays euh, au monde qui ont, qui ont toujours eu des populations afghanes très importantes. C'est aussi historique de nouveau, donc ça prédate même euh, les années euh, de, de l'invasion soviétique. Il y a un mouvement régional qui, qui, qui existe dans la région entre l'Iran, l'Afghanistan et le Pakistan. Euh, comme le montrent euh, les travaux de, des anthropologues, euh, les 100 livres euh, et son domaine d'outils. Mais cette, euh, cette, euh, cette migration régionale, en fait, elle a, on, on, a très, on a eu très peu d'informations aussi sur euh, voilà, ce qui se passait, euh, ce que les, les personnes trouvaient elles-mêmes comme solution. Euh, la migration, pour elles, c'était une solution, finalement. Et elles n'avaient pas forcément les moyens ou les possibilités ou, ou, ouais, de, de passer par un avion. Mais on n'a pas vraiment vu ce qui s'est passé aux frontières. Euh, Terrestre. Oui. C'était des images beaucoup beaucoup plus dramatiques à l'aéroport qui euh, qui choquaient. Oui. Et euh, je pense aussi les régions montagneuses entre l'Afghanistan et le Pakistan sont plus difficiles d'accès. Mais aussi c'est quelque chose qui a été fait pendant longtemps. Là, cette évacuation oui. par l'air, c'était c'était un, un incident un peu c'était un peu du jamais vu en tout cas en Afghanistan. Oui. Ouais. Les journalistes qui voyagent ont coutume de se dire entre eux ⁇ Si tu restes six semaines dans un pays, tu écriras facilement un livre. Si tu restes six mois, tu peineras pour terminer quelques articles. Si tu restes six ans, tu te tairas. Cette règle est sans doute juste, mais elle souffre des exceptions. ⁇ Donc ça, c'est un extrait écrit par Anne-Marie Schwarzenbach dans ⁇ Où est la terre des promesses ?⁇ donc en fait, c'est quand elle a effectué ce voyage avec euh, sa collègue suissesse écrivaine euh, Ella Maillard en Afghanistan, depuis la Suisse jusqu'en Afghanistan, puis euh, jusqu'au jusqu Pakistan, au Peshawar. Et donc, ça euh, 19... apparu en 1939, 19... ça a été publié euh, dans un journal suisse, mm. si je ne me trompe pas. Et ça illustre bien les difficultés qu'on peut avoir à écrire en fait, euh, et, les, et les contraintes du temps qu'on a pour écrire. Oui, Et peut-être aussi la différence entre le travail journalistique et le travail anthropologique sur le plan de la durée. Ouais. Euh, combien de temps on investit dans un lieu et quelle attention on porte à quoi. Et au final, de terminer avec une telle base de données tellement énorme, tellement d'impressions. Euh, ça revient pas aux questions sur le travail de terrain euh, en anthropologie. Beaucoup, beaucoup d'impressions euh, qui parfois euh, se contredisent parfois euh, sont, sont juste difficiles à, difficiles à unir et euh, quelque chose que le, en fait, que le travail euh, de recherche anthropologique euh, demande et qui est peut-être euh, juste par le format plus, plus difficile à traduire en, en, en travail journalistique. Oui, tout à fait. Et ce travail long, euh, comme on en parlait aussi, euh, permet quand même d'aller euh, voir des structures sociales qui expliquent euh, bah, notamment quand on parle d'Afghanistan, justement la montée des talibans. Donc, euh, la prise de Kaboul a été souvent présentée comme une, une surprise, en tout cas, euh, sa rapidité. Mais il euh, y a des chercheurs euh, comme Adam Bacheco qui ont, qui ont vraiment montré la montée, en fait, de la légitimité des talibans euh, au-delà, en fait, de la ville de Kaboul, et puis euh, par les tribunaux, comme tu disais. Oui, oui, oui. C'est comme aussi les travaux de Susanna Olsevska mmh. par rapport à la communauté, euh, ou bien les personnes afghanes qui vivent en Iran et qui recourent beaucoup, en fait, à des à une mobilité sociale euh, qui passe par euh, un travail intellectuel. Donc ça, c'est aussi un travail que peut-être on ne peut que voir à travers la durée. Donc, euh, donc le fait que les personnes d'origine afghane qui vont migrer dans d'autres pays, souvent, ont des voies d'accès limitées à une mobilité sociale. Et ça, c'est un fait qu'on voit très rapidement, on peut le, on peut le voir. Il y, a, voilà, il y a des difficultés institutionnelles, il y a des difficultés à atteindre des permis pour avoir accès à l'emploi. Mais en fait, quand on regarde euh, plus on va dire, sociologiquement, on peut voir qu'il y a d'autres accès à l'espace public qui passe par exemple par, euh, par un groupe de un groupe d'intellectuels euh, qui est très actif dans ce qui ce qui concerne la littérature et la poésie dans euh, le monde persanophone il y a vraiment un grand attention qui est portée à la poésie et ça c'est de nouveau quelque chose qu'on peut vraiment sentir avec la durée et qu'on peut que euh, percevoir à travers euh, une connaissance fine de la, de la langue donc euh, oui tout à fait que que c'est vraiment ce temps long qui permet d'aller euh, en profondeur mm -hmm. Des journalistes euh, afghans ou afghanes euh, là-bas sur le terrain, euh, qui, euh, à travers des écoles de journalisme à Herat, à Kaboul, à d'autres endroits, avaient euh, vraiment étudié le journalisme et euh, ensuite travaillé en rapport très proche avec euh, avec des, des médias occidentaux et qui, quelque part, enfin, souvent ces, ces, ces médias payaient ces personnes pour faire des pièces approfondies sur un thème qui intéressait ces médias-là particulièrement. Alors je suis sûr que des journalistes afghans afghanes pouvaient amener aussi des thèmes qui les intéressaient à eux, mais souvent c'était quand même très basé sur l'intérêt qu'ont ces médias-là sur certaines questions, questions que, que, que le regard occidental trouve pertinent. Euh, et, et ça, ça change au fil des années. Euh, question de genre, euh, maintenant aussi question de, de, de personnes LGBT, ça, ça avait, ça avait intéressé d'un coup énormément. Euh, et chose qui après a, a, a rendu la vie très très difficile pour beaucoup de ces journalistes qui, a juste euh, au lendemain de la prise de, de, du pouvoir par les talibans, euh, cherchaient à sortir parce que justement ces travaux qu'ils avaient écrits euh, les mettaient en grand danger. Et euh, bien sûr, sur la liste de priorités de personnes à sortir. Ils n'étaient pas tout en haut. C'était d'abord les, euh, les personnes, les personnes et ressortissants de ces pays, des, des, des pays occidentaux, qui étaient encore dans les ambassades ou dans d'autres endroits qu'il fallait sortir. Et ensuite, les euh, forces, euh, de, par exemple, qui avaient travaillé, enfin les, les personnes afghanes qui avaient travaillé en, en, pro en grande proximité avec le militaire, par exemple les traducteurs, traductrices, et les journalistes qui avaient été euh, euh, payés, mandatés, commandés à faire des, des certaines, certaines pièces. Euh, et n'avaient pas eu de contrat, euh, contrat euh, à plein temps, ont eu un mal énorme euh, à, à sortir. J'ai un, un, un ami qui, euh, d'ailleurs, est a, a atterri en, en Allemagne euh, cette nuit à 1h du matin, euh, et à Novre, à cet instant même, ça fait 9 mois euh, que, euh, que des collègues et moi avons essayé de, 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 le, de le sortir, et c'était juste impossible de d'avoir par exemple de même avoir un, un contrat avec une, un de ses journaux ou des lettres qui confirmaient qu'il avait travaillé avec ces journaux ça avait été impossible chose qui est nécessaire pour par exemple des demandes de visa ou des demandes d'asile de, pour prouver justement cette collaboration c'était quelqu'un qui avait travaillé sur euh, des questions extrêmement sensibles ou euh, euh, comme par exemple la communauté euh, trans euh, en Afghanistan euh, le passé juif de, de Herat, une ville qui, était, qui, qui avait une grande population juive euh, substantielle qui, qui s'est vidée complètement dans les années euh, 80 et 90. Euh, questions qui sont extrêmement. enfin, euh, euh, trav des travaux qui, sont, euh, qui mettaient sa vie tout à fait en danger. Et ça, euh, cette espèce de jonglage que ces journalistes devaient faire entre euh, intérêt personnel, euh, intérêt euh, de la perspective occidentale, euh, puis ensuite, dans le contexte de, de la prise de pouvoir des talibans, on les a mis dans des situations très très difficiles. Ouais.